combattez pour vous tout seul. Donc vous gagnez, vous perdez, c'est votre problème. Mais là, j'avais les sur mes épaules. La responsabilité du peuple juif qui a été calomnié sur cette affaire, du monde occidental qui a été calomnié. Et il est temps maintenant qu'on arrête ces accusations contre les juifs, ces accusations de crimes rituels, ces accusations contre l'Occident, et qu'on puisse essayer d'avoir un monde de paix et qu'on arrête d'enflammer le monde musulman. Aujourd'hui, cette victoire rend service au monde musulman, parce que le monde musulman a été enflammé de façon stupide. Je veux dire, il y a des gens dans le monde musulman qui veulent vivre avec le monde occidental en bonne entente. C'est la victoire de la société civile et de tous les gens qui voulaient que la réalité triomphe. Ce que je vais poursuivre à coup sûr, c'est Canal+, l'Express et le Nouvel Observateur qui m'ont diffamé récemment et qui ont essayé d'influer sur le cours de la justice. C'est une honte. J'attends des excuses de Canal+, et si je n'ai pas ces excuses de Canal+, avec en bonne et due forme, j'attaquerai Canal+, et je demanderai de fortes réparations, car ils ont essayé d'influer sur le cours de la justice pour travestir la vérité. C'est une honte. Parce que le journaliste de Canal+, qui a fait ce reportage, qui s'appelle Stéphane Malter, a venu tous les documents. J'ai les échanges d'emails avec lui, où il a pu voir les images de l'enfant lever le coude et regarder la caméra. J'ai lui montré les images du mur derrière où il y a 7 impacts de balles. Quand il y a 7 impacts de balles sur un mur et qu'on vous dit que les soldats israéliens ont tiré pendant 45 minutes, un enfant de 5 ans qui joue à un jeu vidéo, il sait que ça marche pas. Ok ? Un enfant, il sait que ça marche pas. D'accord ? Donc voilà, c'est la victoire d'une société décente contre une société totalitaire. C'est un énorme espoir pour la France. Et la presse française s'est comportée comme un état totalitaire. La presse française s'est comportée de façon totalement, je dirais, monolithique, corporatiste. Il y avait le parti des médias. Elisabeth Lévy a extrêmement bien expliqué le parti des médias. C'est-à-dire qu'il y a un parti, c'est un parti stalinien, on doit suivre. C'est l'Ayatollah Média a décidé que l'enfant était mort et que c'était l'Israël qui avait tué, il fallait le croire, il fallait le dire. Eh ben non. Non, il y a en France des gens. C'est l'honneur de la France d'avoir des juges de cette qualité. Merci. Permettez-moi, je voudrais appeler. Thank you very much to the French state. To the French state. Thank you. C'est quoi les choses? C'est tuer des hommes noirs. Attendez, c'est génial. Non mais attends, il est 4h du matin, il est quelle heure le son de la fin? 6h. Ah oui d'accord, mais j'ai dit à Ilana de l'appeler pour le prénom. Yeah, sure, because they're not going to speak about that. We know that. They threw it out. They threw the case out, right? En anglais, yeah. What is it in English? They threw the case out. They threw the case out. Ils ont été déboutés, ils sont dégoûtés. Et nous allons goûter au plaisir. Ok, maintenant je vais voir mon avocat et... Alors, j'ai quelques minutes avec mon avocat et je suis là. Nat? Attends, reste en ligne. Oui. Bon, j'y vais. Ok, j'ai compris. Ok, bon. Je te laisse parce que là, j'arrive, je fais une interview. Là. Ok. Ouais, bye. What does that mean now? I'm really very happy. It's the victory of the truth over the lies. For French dissent society, we had almost 8 years of high anti-Semitism in France. Starting from this lie, and I believe that now the media outlets will tell the truth about what's going on in the Middle East, and especially that we see and reveal that it was a stage, a full stage. Do you think it will change the perception of these pictures?
It's not a question of thinking. The history is working. The history is telling you this was a lie. We know that it's a lie. We were expecting that the justice will admit that it was a lie. We don't know exactly what are the written arguments of the judge. At the end, we'll see what's written. And I hope that for real friends will reveal the truth and tell that it was a lie, that they've been duped by Talal Abouhafa. They will apologize to the whole world. And to Judea Pearl, the father of Daniel Pearl, whose son was beheaded to avenge his dirty life. Well, do you think the world would have gone in another direction if they had admitted that years ago? I can't tell you that. What I can tell you is that they didn't produce this fake news story. I'm sure that we wouldn't have the start of the second Intifada as it started. We wouldn't have the inflammation of the Muslim world, and maybe not 9/11, maybe not all those ugly bombings and attacks all over the world. It's time now for the Western world to reveal the truth about the lies, about those images. And it's very important also for the Muslim world to stop being manipulated about those crazy stringers working hand to hand with silly European and Western journalists reporting fake news. It's time now to stop the lie. Time is up for the truth. Dissent society can only be based on the truth. Democracy is being well informed. When you're lied at, you're not informed, so you cannot vote properly. Thank you very much and congratulations. Ouais. Le courage, il en fallait au début, certainement. Oui, mais il en faut encore maintenant. Hein. Faut tout le temps. Fantastique. Ouais, j'ai envoyé un SMS. Ah, tu n'as pas besoin de monsieur avec son avocat. Non. Ok, d'accord.